L'aile relève, ce que c'est, après ma barre, c'est un sous-comité de la Chambre de commerce. Donc, dès qu'on a 40 ans et moins, on fait automatiquement partie de l'aile relève. Et l'aile relève a deux principaux axes, mandats, si on veut. Premier mandat, d'accompagner les nouveaux membres, les gens débutants en affaires ou qui sont en relève d'affaires, de les accompagner au niveau du réseautage, faire du maillage avec les autres membres. Et l'autre volet, l'autre axe, c'est vraiment la valorisation des membres, encore une fois, qui ont 40 ans et moins. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler de nous. Donc, on est là pour les valoriser. Les avantages de faire partie d'un comité à la CC2M, premièrement, c'est agrandir mon réseau de contacts, contribuer au développement économique de la région, briser l'isolement, et aussi, ça m'a permis de connaître plein de monde. J'ai fait partie de plusieurs comités au sein de la Chambre de commerce, et ça m'a toujours apporté un grand bénéfice, tant au niveau personnel qu'est professionnel. La Chambre, on dit toujours qu'elle est par ses membres, pour ses membres. C'est pour ça que dans la structure de la Chambre, il y a vraiment une grande place à la consultation participative. Que ce soit en participant aux assemblées générales d'élection pour élire le conseil d'administration, ça veut dire que les membres ont la possibilité de siéger sur le conseil d'administration, d'apporter leurs idées, de faire une différence dans leur communauté. Il y a différents comités dans lesquels, encore là, ils peuvent s'impliquer. Mais durant l'année, on a en fait 4 occasions spécifiques où les membres sont invités à venir soit en apprendre davantage sur leur chambre ou participer. Donc, on a 2 assemblées trimestrielles des membres, une assemblée générale d'élection et une assemblée générale annuelle. C'est vraiment une façon d'avoir une vision à long terme de la Chambre de commerce et les membres sont toujours les bienvenus.